filles. Alors voilà, désolée pour la qualité déjà parce que je filme avec mon téléphone. Donc voilà pour la qualité. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai dit que j'allais vous faire un vlog. Donc on va commencer tout doucement mais sûrement. Donc là, on va dire que je suis debout depuis... il est quelle heure là? Il est 11h41. Je suis debout depuis 10h30, voire 10h. Et je vous ai pas filmé parce que j'étais en train de faire mon ménage, parce que j'ai nettoyé la théo de parmesan. Parce que nous sommes pas là du week-end. Donc j'ai préféré faire un bon coup de ménage et comme ça tout est prêt. Du coup là, qu'est-ce que je vais faire? Et ben là... comme je vous ai dit hier, je voulais pas trop en parler dans la vidéo parce que bah mon copain, c'est une surprise pour lui. Là, je vais chercher l'adresse sur Google Maps parce que on va dire que moi et comment, j'ai du mal à parler ce matin. Que moi et l'orientation, ça fait deux. Donc voilà, donc je vais chercher sur Google Maps pour trouver le chemin parce que même avec le GPS de mon téléphone, ça merde totalement, donc ça fonctionne pas du tout, donc ça sert à rien. Donc voilà, voilou. Donc voilà, donc là je vous ai dit, là je vais aller chercher ça sur internet. Faut que j'imprime la réservation de l'hôtel aussi pour pouvoir rentrer dedans quand même. Donc voilà, et après je vais aller me préparer. Rien de super, je profite parce qu'elle est partie faire son sport. Donc après on va aller chercher vite 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 la valise qui est dans la voiture parce que j'ai oublié de mettre plein de trucs dedans. C'est tout moi, comme ça c'est bien. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. C'est encore moi. Du coup là ça y est, je suis prête, je suis toute habillée sauf je suis en chausson. Je vais juste aller chercher la valise à la voiture, comme ça vous verrez ma petite voiture. Ça va, on n'est pas derrière moi. Faut pas qu'il y ait des gens, ils vont prendre pour une folle avec mon téléphone. C'est bon, on y va. Vous voyez ma voiture, c'est celle qui a juste là. Ma petite voiture. Donc c'est encore moi, donc j'ai été chercher la valise dans la voiture parce que j'avais pas fini dedans. Donc on va s'amuser à remplir le reste qui y a à mettre dedans. Il restait juste les produits mais on allait pas les mettre vu qu'on en a besoin ce matin. Vous voyez, on part que un soir hein. Malak. Je suis un peu blonde à l'intérieur, donc ça va, heureusement que ma couleur d'avant c'était blond. Comme une blonde, j'ai mis toutes nos affaires dedans, sauf que j'avais oublié que bah, j'avais mis ma lac dedans et je l'ai cherché partout ce matin. Et arrivé là, bah, elle est dans la valise. Voilà. Blonde. Hop, on va tout mettre ça comme ça, on va mettre la brosse. On va laquer vite fait les cheveux. Ça fait mal au bras cette chose là. Ah, heureusement que j'ai pas filmé avec ma grosse. Ma grosse caméra parce que j'aurais des crampes au bras toute la journée je crois. Et si vous voulez une bonne laque, oui parce que je suis en train de me laquer les cheveux donc je vais faire de la pub en même temps. Si vous voulez une bonne laque qui tient juste super bien, moi je vous conseille la Sayos de Saint-Algue. Elle est juste super. Vous mettez, comme vous voyez, je viens juste de mettre un sheet et mes cheveux sont super bien, ils tiennent la coiffure, elle va tenir toute la journée. Ça fait pas un effet plaqué ni trop laqué ou quoi que ce soit, c'est super joli. Et là vous allez me dire, mais Madison, t'es toute seule. Bah ouais, mon copain est parti au sport hein, ça fait il est quelle heure, ça va faire une heure qu'il est parti, donc moi ça m'arrange bien, comme ça je peux tout préparer tranquillement sans qu'il traîne dans mes pattes. Donc ça c'est bien, comme ça au moins il est pas au courant. Est-ce qu'il ne sait pas encore qu'on dort à l'hôtel, etc. Donc j'essaye de le cacher dans la voiture, comme je sais qu'il va jamais dans le coffre. Enfin qu'il va jamais dans le coffre. Je comprends, il monte pas dedans. Hein. Et qu'il l'ouvre jamais quoi. Donc fallait la remettre à la voiture. Attendez. Je vous retrouve après parce que je suis en train de galérer à fermer ma valise. Donc la voiture, enfin que la voiture... Putain, j'ai du mal avec ça là. Maintenant que la valise est dans la voiture, je vais aller me faire à manger parce que quand même j'ai faim. Mais je sais pas quoi manger. Je sais pas si je me fais une salade ou si je vais manger un... Je ne sais pas. J'ai un croque-monsieur, j'ai des croque-monsieur. Je suis tentée. Hein. Franchement, je suis tentée. Je crois que je vais me faire des croque-monsieur. Ouais, on va faire des croque-monsieur, ça va le faire.
On va juste manger ça. Ça veut dire que moi j'ai la flemme de faire à manger, j'ai vraiment la flemme. C'est la flemme jusqu'au bout du bout. Voilà. Faire des croques, monsieur. Vous voyez, moi tout est en mini chez moi. Un mini four, des mini plaques de cuisson, un mini micro-ondes. Tout est mini chez moi. Je me retrouverai après quand j'aurai fini de faire à manger. Donc Kevin est rentré du sport, il est en train de se laver. Donc voilà, moi j'ai fini de manger. Donc du coup, bah, j'ai oublié de vous filmer ce que j'avais mangé. Mais bon, vous avez dû voir que je mange des croques, monsieur. Hein. Du coup, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc du coup, faut attendre qu'il aille fini de se préparer. Il cherche un endroit où ça va bien éclairer. Faut attendre qu'il finisse de se préparer. Donc on va attendre un petit peu. Je regarde les Simpsons comme d'habitude. Et je voulais vous faire montrer un truc dans ma chambre parce que j'ai galéré hier à mettre un truc dans ma chambre. Comme ça, vous allez voir ma chambre. Regardez. En gros, vous voyez à l'envers. C'est marqué le rêve est gardien. Le rêve est le gardien du sommeil. C'est trop joli, non? Oui. Ça, vous voyez mon beau lit avec ma grosse peluche. Voilà. C'est ma petite chambre. Pas grand chose, mais c'est ma petite chambre. Donc voilà, donc on va attendre que Kevin ait fini de se préparer. Et bah après, on va y aller. Hein. Faut aller à la banque. Et après, on part. Je vous dis pas où. Et après, on part. Et tiens, je vais vous faire montrer les petits lapins. Il fait jour, vous allez mieux les voir. Hop, Kiki. Voilà, vous avez Kiki. Kitty, pardon. Petite boule de poils d'amour. Et là, le noir, c'est Kiki. C'est nos petits bébés. Donc voilà, donc je vous retrouve juste après. Re les filles, alors voilà, à la base on devait aller à la patinoire. J'ai mon copain qui me fait tourner en rond, super. À la base on devait aller à la patinoire, sauf que quand on est arrivé devant la patinoire pour aller se garer et c'était juste blindé, il y avait plein de monde. Là j'ai mon téléphone, on est dans un magasin, il y a tout le monde qui me regarde, c'est super. Donc du coup nous sommes à H&M. C'est un peu les boutiques. Il y a Kevin qui évite la caméra, regardez. On a été faire les magasins, on a été au Doc Vauban et comment dire, il n'y avait rien du tout, c'était pourri, il n'y avait rien de bien. Et j'ai juste trouvé une seule chose, qui n'était pas en solde bien évidemment. Ça. C'est pas juste trop beau. On l'a eu à la Halle et je l'ai payé 9,99€, donc il est juste magnifique. Soleil dans les yeux, super. Donc voilà, voilà. Là, on va aller. Comment ça s'appelle le truc? Je sais plus où est-ce que c'est. À Coty. Donc voilà, donc je vous re là-bas, on va dire ça, quand on sera à Coty. Can't be sleeping, keep on waking. Is that the man that's next to me? Guilt is burning, it's that I'm hurting. So blame it on the night. C'est le Wok Grill du Havre. Je sais pas si vous connaissez. Il va faire tout le nuit, je sais pas si vous allez voir. Et maintenant on va au cinéma et on va voir Tekken 3. Alors ça va être le dernier moment du vlog d'aujourd'hui. Je vous explique. Du coup on a été voir le film Tekken 3. Moi personnellement j'ai pas trop aimé. C'était pas trop mon truc. J'ai bien aimé le 1 et le 2, mais le 3 ça n'a pas été trop ça. On va essayer de bien enlever. Donc désolé pour ma tête de je sais pas quoi. Hein. Du coup là on est arrivé dans la chambre d'hôtel. Alors, ça va être vite fait, elle est toute petite. Vous avez le lit. J'aime bien, c'est la tête de lit. Là vous avez un miroir.
Quelque chose. Et il est juste ici. La porte là. C'est la salle de bain, mais comme mon compagnon dit, on va ouvrir la porte. Et là, vous avez comme ça de petites étagères. On met ses affaires. Et juste ici, la télé. Donc voilà, donc elle est toute petite, hein, mais bon. On passe pas juste pour dormir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je vous ai fait montrer tout à l'heure un collier que j'ai. Je vous ai fait montrer tout à l'heure un collier que j'ai acheté à la halle. Je vous l'ai fait montrer sur le paquet, mais il est juste magnifique, non? J'ai juste kiffé, il est juste trop beau, donc du coup j'ai. Je l'ai pris et j'ai craqué, je l'ai pris. Bon, ça va, 10 euros, c'est pas. Oula! 10 euros, c'est pas énorme. Vous voyez, je me suis déjà installée, j'ai jamais tombé de recul, c'est si. Donc voilà. Du coup, bah voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. De toute façon, le vlog va s'arrêter là. Si vous avez aimé, vous me le dites. Et puis, du coup, ce que je ferai, je referai d'autres au fur et à mesure. Si vous avez aimé, vous me dites aussi s'il y a des trucs qu'il faut que je change. Alors, vous savez, je regarde directement sur l'écran, mais je crois qu'il faut que je regarde là-bas, mais ça me déconcentre. Donc, du coup, je regarde sur l'écran. Du coup, vous me dites si ça vous a plu ou pas. Du coup, si ça vous a plu, je recommencerai. Je voulais faire montrer un truc aussi que j'ai acheté à Keiko. C'est un. J'ai acheté tout à l'heure un lip gloss pencil. Et c'est un crayon pour les lèvres et en gloss. Je vous le testerai dans une prochaine vidéo. Et puis je vous intéresse si j'ai bien aimé ou pas. La couleur elle est très jolie. Hein. Je sais pas si vous voyez. C'est un nude. Enfin, la couleur est très belle. Enfin, bref, du coup, vous allez sûrement me dire mais oui, mais t'es vachement prêt avec ton téléphone. Écoutez, j'ai des tout petits bras, donc même si je suis au maximum, c'est comme si j'étais prêt. Donc voilà, je suis toute petite, donc du coup, voilà. Je vous laisse mettre en commentaire si vous avez aimé ou pas, si vous en voulez d'autres. Vous me dites aussi ce qui a changé, n'hésitez surtout pas, ou il y a un truc bizarre sur moi depuis tout à l'heure. Vous me dites aussi si vous avez aimé ou pas. Vous n'hésitez surtout pas aussi à me dire s'il y a des choses à changer au niveau de ma position, si je dois parler un peu plus fort ou pas. Mais là, comme on est dans la chambre d'hôtel, je vais pas parler trop fort non plus parce qu'il y a des gens juste à côté, donc je vais pas parler trop fort. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.